Annie Lapin veut camper. Une histoire écrite et illustrée par John Bond. Maman Lapin et Mini Lapin installent un campement dans le jardin. Toute la semaine, Mini Lapin a attendu ce jour avec impatience. Ce sera le plus beau jour de ma vie. Mini Lapin est très, très excité. Je pourrais monter la tente, je pourrais faire griller les guimauves, je pourrais me coucher très tard. Oui, Mini Lapin, mais il nous manque juste quelques petites choses encore. Maman Lapin a fait une liste des choses dont ils ont besoin. Guimauve, corde, bois pour le feu. Je m'en occupe, maman. D'accord, Mini Lapin, mais ne traîne pas en route. On dirait que le temps se gâte. Première étape, le magasin de bonbons. Bonjour, Mini Lapin. Que désires-tu? Veux-tu une glace? Non, merci. Je vais camper et il nous faut des guimauves. Beaucoup de guimauves. Mini Lapin s'applique à porter les guimauves sans en faire tomber. Ce sont les meilleures guimauves du monde. Après tout, ce n'est pas grave s'il en manque une ou deux. Prochaine étape, la ferme. Bonjour, je vais camper et j'ai besoin d'une corde pour monter une grande tente. Vous pouvez m'en prêter une, s'il vous plaît? Pas de problème, Mini Lapin. Une corde de quelle longueur? Grande, très grande. Avec cette longue corde, il est certain que Mini Lapin pourra monter une très belle tente. Ce sera la plus grande et la plus belle tente du monde. Dernière étape, la forêt. Bonjour, Mini Lapin. Tu as besoin de quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Il me faut du bois pour notre feu de camp. Cette bûche-là est parfaite. Bon, c'est tout ce qu'il y avait sur la liste. Mini Lapin devrait se dépêcher de retourner au campement, car il se fait tard. Ce sera le plus beau campement du monde. Ouh. Regarde, maman, j'ai tout trouvé. Bravo, Mini Lapin. Maintenant, installons vite le campement avant que le temps se gâte vraiment. Il faut juste attacher la toile de tente. Mais où est la corde, Mini Lapin? Je n'en ai pas besoin. T'as vu? Avec ces cailloux, la tente ne risque pas de s'envoler. Tu es sûr, Mini Lapin? C'est le moment de préparer le feu de camp. Mini Lapin, tu n'as pas de bûche plus petite? Celle-ci aura du mal à brûler. Attends, je cherche les guimauves. Oh là là là! On dirait que toutes les guimauves ont disparu. Et on dirait que ce n'est plus un temps idéal pour camper. Et si tu rentrais à la maison, Mini Lapin? Ça ne va pas être très rigolo de rester dehors. Non, je ne bouge pas d'ici. Je dois me coucher très tard et dormir dans ma tente. Ça va être le plus beau jour de ma vie. Ah, te voilà, Mini Lapin. Alors, c'était comment le camping? Ma tente s'est envolée. Le bois n'a pas brûlé et je n'avais plus de guimauve. C'était horrible. Ne t'en fais pas, Mini Lapin. Regarde ce que je t'ai préparé. C'est vrai, elle est plutôt belle, cette tente. Mais cette nuit, je préfère dormir dans mon lit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Mini Lapin.